Et le jour où m'a investi, n'est-ce pas, par mes camarades, n'est-ce pas, de différents présidents de parti et de général, et aussi mon parti IDG, j'avais dit ce jour devant vous, j'ai dit, je prends acte de la confiance placée par moi. Mais je disais que j'accepterai seulement quand, n'est-ce pas, certaines questions soient réglées, notamment le fichier de la CENI. Donc, vous savez, on est à quelques heures d'ici minuit, 0 h, n'est-ce pas, et dépôt de candidature va être clos. Et puis, donc, jusqu'à là, on n'a rien de résultat, n'est-ce pas, de ce qu'on a demandé. Alors, comme l'homme, quand il dit quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut respecter ses engagements et paroles données. C'est ça, l'homme. Donc, je ne pourrais pas continuer pendant que j'ai promis le peuple de Guinée. Pour dire, ces questions ne sont pas réglées, je ne partirai pas. Donc, voilà. quel appel avez-vous à lancer à vos collègues qui ont décidé de prendre part à cette élection? Bon, vous savez, chacun, on est parti politique, on est tous, tout le monde est libre, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire. Donc, alors, ils sont partis, nous, on a trouvé que tout ce qui s'est passé dans le pays, et y compris, n'est-ce pas, les tueries, il y a plus de 200 personnes qui sont tuées. Donc on ne pourrait pas vraiment passer, ne pas penser de mémoire à ces gens-là. Et sinon, on allait dire qu'ils sont morts pour rien. Et donc là, je pense que c'est très grave pour nous, les leaders, qui ne peut pas penser à ça. Ça, c'est très grave. Donc, c'est pourquoi nous, on a dit, avec tout ce que le remous qui se trouve dans le pays aujourd'hui, ça ne va pas. Le social, comme dans les déclarations, on a dit, et même, n'est-ce pas, les sages qui ne sont pas épargnés. Donc, il faut que tout ça là, ça cesse. Est-ce que vous allez rejoindre?